Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire la partie 2 de quand on a décollé la vitre arrière donc qui était cassée de notre iPhone, qu'est-ce qu'on fait avec la nouvelle? On la recolle, certes. Mais il y a quand même des petits trucs quand même à faire avant de la recoller. Donc on est passé d'un téléphone, donc grosso modo, lui il est en train, à lui il est fini. Une fois que vous avez enlevé tout votre verre et que vous avez fait le nettoyage intégral du truc, quand même passez votre doigt et dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui crapouille un peu, vous venez l'enlever parce que sinon en fait ça va, il reste toujours quelques bricoles, voilà, et mine de rien après quand vous allez recoller, et ben c'est ce qui fait toute la différence d'une vitre qui peut être bien collée, d'une vitre qui n'est pas terrible et qui n'est pas super ajustée. Hop, parce que mine de rien, on en enlève. Voilà. Sur les bords, on fait la même. Voilà. Là, on vient enlever tout ce qui peut nous embêter. Là, il y en a un peu. Vous faites attention à vos deux antennes. Et après, vous allez voir que maintenant, les vitres arrière, elles sont vendues avec un scotch double face. Bon. C'est pas que je fasse pas. Non. C'est pas que je fasse pas confiance au scotch, mais bon, c'est pas ouf quand même. Donc, quand vous achetez votre vitre, ça, ça vaut 8,90€ ou 9,90€ en fonction. Donc, du coup, vous achetez toujours gros trou. Parce que si vous prenez, il y a deux tailles, gros trou, petit trou. Si vous prenez petit trou, ça veut dire que votre œilleton vient, le verre va aller sous l'œilleton là. Ce qui n'est pas bon, puisque du coup, nous, ce qu'on veut, c'est que ça aille sur l'œilleton. Donc j'ai mis les petits élastiques. Donc là, vous faites un montage à blanc pour vérifier que tout se monte correctement bien. Et qu'il n'y ait pas de choses qui appuient et qui ferait que du coup ça ferait pas bon. Donc là on est pas mal. Et ça c'est le scotch qui fournit ça avec. Bon, en soi, on peut essayer de le mettre, mais bon, moi je préfère mettre de la colle quand même. Au moins. Quick! On prépare ça, on prend notre tube de colle. Et on vient faire un cordon. Déjà sur le tour. Voilà. Les parties épaisses, vous n'hésitez pas à en mettre. Voilà. On va faire le tour des appareils photo. Hop. Et là, après, on fait le circuit de Mario Kart Rainbow Road. Et voilà.
sachant que quand on va après plaquer la vitre, forcément ça va venir étaler tout ça. Quick, on va préparer nos élastiques parce que c'est pas tout de le coller, mais après il faut surtout le mettre en pression pendant un petit moment. On met tout ça en place, on appuie tout ce qui déborde, on prend un chiffon et on vient l'enlever. Voilà. Hop. Alors le truc qui est bien avec la B7000 justement, c'est que si là on en a qui ont un peu débordé, après vous pouvez l'enlever quand ça sèche, elle s'enlève très très bien. Donc vous n'êtes pas obligé de l'enlever tout de suite. Et on va en mettre une dernière comme ça. Et voilà. Quick. Voilà, vous voyez. Ça s'enlève après très très bien. Hop, au pire, un petit coup d'alcool. Et le tour est joué. Et voilà, comme ça, là, on a un téléphone qui est bien collé sur tous les bords. Et demain, nouvelle vie. Voilà, cette petite minute pour le coller bien correctement. Et par contre, pour enlever la vitre en fonction de comme elle est collée, prenez votre temps et comptez des fois, on n'est pas loin des 40 minutes quand même pour vraiment tout enlever, chauffer pas trop, le laisser refroidir. Dans l'idéal même, vous enlevez l'écran et l'appareil photo. Comme ça, au moins, les coups de chaleur que vous lui mettez ne viennent pas endommager l'écran parce que l'écran peut se brûler très vite. Et l'appareil photo, quand on commence à aller autour de là, il n'est pas foufou fan non plus. Et du coup, vous pouvez vite flinguer le petit moteur de mise au point. Et bon, du coup, après, quand vous vous retrouvez à changer une vitre arrière plus un écran plus un appareil photo, c'est pas foufou rentable. Et puis, ça peut surtout vite vous coûter cher. Voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces, 20 000 ou 30 000, hein, comme d'habitude. Et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, prenez soin de vous parce que c'est le plus important. À bientôt. Bye bye.